En juillet 2017, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et dans un sondage publié par l'IFOP, 76% des Français sont favorables à ce que la France s'inscrive dans ce processus d'élimination des armes nucléaires. Pourtant, le gouvernement ne le fait pas, alors que la France est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Nous devons donc exiger qu'elle respecte l'article 6 de ce traité et qu'elle s'inscrive dans ce processus de désarmement nucléaire. Pour cette raison, le Parti communiste français, qui est totalement engagé dans ce combat, appelle à contribuer au succès des manifestations qui sont organisées le dimanche 14 octobre par le mouvement de la paix et plus de 100 organisations qui sont engagées dans le collectif national En Marche pour la paix. Nous avons absolument besoin de réussir ces marches et nous construirons ainsi, en mobilisant davantage, un monde de paix, de justice et de fraternité. Marchons pour la paix et le désarmement nucléaire tous ensemble le 14 octobre.